il a réfléchi très vite, il m'a dit, écoute, bah, trouve-y des ateliers et tout, on va voir ce qui se passe. Il avait vu l'atelier de Majoub Ben Bella. Déjà dit, on est tombé sur les fesses, parce que Majoub, on est un peu dans le même esprit, mais ça n'a rien à voir avec la technique. Il est tombé de haut, tu vois, il a fait ah, l'atelier en plus par-dessus ça. Donc il a senti qu'il y avait peut-être des pépites et des ateliers cachés. Il a fait des calculs, j'ai dit, John, il y en a pour une heure pour venir ici, tu vas payer 10, 20 fois moins cher ici, tu vas te poser aussi, c'est une heure plus calme. Tout ça a fait qu'il a fait, ouais, ok. Donc on a visité pendant un an. Moi, je connaissais ce bien, je l'avais mis de côté parce que à l'époque, je cherchais aussi une maison et je ne voulais pas jouer cette facilité de se mixer à deux. Je connaissais très bien. Donc on a commencé à fouiner tout autour en périphérie. Jusqu'au jour où il voulait acheter en face du musée, ce que je racontais. Moi, j'étais en Chine, je lui ai dit, non, John, je fais visite celui-là au dernier moment.